Tu vas pas tarder à atteindre le village d'irréductibles gaulois. Ouais, ben. Irréductibles gaulois, ils ont pas tout vu encore. Ok. C'est Perceval le Gallois! Aou, aou, aou! Arverne, quel est votre métier? Bon. C'est pas le tout ça, mais Il peut pas être des irréductibles gaulois. Bah, je suis un gaulois, donc je suis pas. Voilà, hein. Donne ta thune. Non. Donne ta thune. Non. Donne ta thune, je te dis. Non. Bon. Pardon. Alors. Pour l'instant, le lapin bat la hyène. Mais en termes d'armée. Ah oui, non, mais d'accord. Il se fait botter le cul, en fait. Oui. Capturé en plus! Oh bon sang, mais c'est bon, mais c'est bon! N'en demandez pas plus! On est trop fort! Ah oui, non mais 10 000 contre 70 000, comment te dire en fait? T'es pas assez fort! Va chercher tes copains, t'es pas assez nombreux dans ta culotte! Allez! Ah bah oui, ça pique, hein! Forcément! T'as beau être un loup et essayer de bouffer le lapin il te botte le cul, hein. Ah bah ouais, hein. Ça y a pas à dire. Hein. Massacre. Les batailles menées par Ambicatos Punicus, aussi brèves que violentes, sont souvent racontées à voix basse. À dire vrai, il semble que ses propres hommes ont aussi peur de lui que de l'ennemi. Oh là là! La discipline des chameaux et discipline de la cavalerie légère. Oh là là, oh non mais. Ah oui, tu m'étonnes. Les gars, ils ont peur de lui, tu sais, ils ont peur de se faire bouffer. Les gars, ils voient un ennemi, ils disent que c'est son repas, quoi. Les chameaux, utile, ouais. Ben, on peut recruter des chameaux dans le jeu, hein. Mais j'ai pas ce qu'il faut pour. Actuellement, je n'ai pas ce qu'il faut pour. Bon, toi. Tu veux pas. Bon, déjà, on va péter cette armée, là. Il n'y a rien à foutre là. Querelle. Ouais, donne-moi ta thune. Ouh, Tolosa, Autricum. Alors, Autricum, c'est où? Donc, c'est une province qui. Autricum. Ok, bon. Ça sera converti de mémoire. C'est ça. Par la suite, ça ira. Turonorum. C'est là, et c'est dans une province. Qui est en cours de conversion, donc c'est parfait, d'accord. Il n'y a que Toulouse, mais Toulouse, bon bah c'est Toulouse. C'est la ville rose. Ok, bon, on va aller prendre ce territoire là-bas. Et on va s'occuper ensuite de l'Ossismie. Carthage aime bien commercer avec nous, hein. C'est sympa de leur part, mais alors attendez, Bruci-Rhône et Robrica. Bruci-Rhône, ok, et Robrica, ok.
Donc c'est des provinces en cours de conversion, hein, donc c'est parfait. Et on pourrait prendre une tradition militaire, sauf que... Oui, si, on peut. Alors, la capacité de procéder à la levée, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais ça pourrait être intéressant. Donc, est-ce qu'on peut procéder à la levée? Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Vraiment. On regardera. On regardera. Il a pris quoi au déjeuner? Moi, rien du tout, c'est ça le pire. C'est que je petit déjeune pas. Je déjeune, mais je ne petit déjeune pas. Alors, tac. Non, bah non, il veut pas. Il veut pas le monsieur. Ok. Alors, bon, la loyauté, les duennies, tout ça, hein, ils sont pas contents. Toi-même, tu sais. Alors, par contre... Ok, ça, je vais prendre. Et je vais déplacer cette armée-là. Ah, mais il y vient en plus. Ah, c'est qu'il y aime, hein. Ok, entretien des forteresses, expérience de départ, on va le prendre pour débloquer l'échelle de siège, capacité d'assaut plus 5%, pas mal ça. Par contre, est-ce que je pourrais arriver à temps? 29 juin, non je vais pas arriver à temps, ça va être trop juste. Oui, il est en botte des culs quand même. Hein. 400, on perd 200 hommes pour 500 en face, ça fait mal. Hein. Oh, au cours des dernières victoires, Mandu Bracius Icius a commencé à faire montre de talent indéniable sur le champ de bataille. Est-il même né celui qui pourra un jour l'arrêter? Il est véritablement prodigieux, très tacticien. Tacticien militaire. Oh, purée, discipline des archers plus 5, discipline des archers montés plus 5. Oh, purée, bah c'est bon ça. Et en plus on capture du monde. Mais que demander de plus? Que demande le peuple? Du pain et des jeux, messire, du pain et des jeux. Et les pains, moi j'ai distribué. C'est le même que celui qui fait peur à ses troupes? Non, c'est pas le même, non. Ah, ça c'est gênant ça par contre. Tu veux bien t'arrêter ou... Ah! On a perdu une armée. Ok, là c'est remporté. N'empêche, le gars avec quelques hommes, il fait le taf, hein. Ça c'est quoi? Ouais bah il est fourbe, bah tant pis, mais il va bosser. À un moment, faut bosser. Oh, pourquoi j'ai deux archers là? Pourquoi j'ai une armée de 100 hommes? Ok.
Bon, alors. J'ai perdu une armée complète. Ça, c'est gênant par contre. Mais bon, on a de la thune. Donc on va se faire une armée un petit peu pétée. Voilà, on va recruter ça. Et à partir de là, on va mettre une armée composée de cavalerie lourde. Ah, d'accord. Ah mais d'accord, mais en plus ils siègent nos arrières. Non mais non, messieurs, carton rouge là, carton rouge. Parce que ça capture des populations là. Hop, hop, hop. Bon, toi déjà tu as pété les pirates. Non, parce que bon quoi. 13 avril 602, ok. Ah, je crois qu'on défonce les pirates là. Ah oui, on défonce les pirates. Ah puis même sacrément là. On a perdu aucun navire, ils en ont perdu 23. Si ça, c'est pas de la victoire. Je sais pas ce qu'il vous faut, hein, mais... Bon, cruel. Charisme, moins 1. Efficacité de l'asservissement, il peut asservir du monde. Bah ça marche. Ok. Et on va faire une troupe de défense résolue. Et vous allez voir que on va botter du cul. Alors, toi. Non. Pas avant 602. Toi, t'es qui? Par contre, faut vraiment qu'on vire des troupes adverses. Bonjour, avez-vous entendu parler de la parole de Raptor Jésus? Ça tombe bien. Vous avez pas le moral. Oh purée, oh purée. Oh la tatane qui se sont prises. On a perdu à peine 5000 hommes. Bon, il y avait le nombre aussi. Mais ah oui, non, mais ils se sont pris une tatane. Excusez-moi du peu, mais là, c'est plus la tatane, c'est l'essuyage sur la figure, là. Là, il y avait les pieds tout crottés, l'autre il s'est essuyé, il a dit excusez-moi madame, hein, Oh là là. On a des ennemis paillassons. Ouais, mais je crois que c'est un peu ça le problème. C'est qu'ils sont un peu paillassons, enfin, c'est un problème pour eux. Pour nous, ça va.
Pour l'instant, on arrive à les flanquer. Ouais, c'est pas dit, hein. C'est pas dit. Il est indécise la bataille, mais... Ah. Par contre, il nous flanque. Ouais, là, on va la perdre. Malheureusement, là, on va la perdre. Pourquoi on a une armée de zéro, là? Qu'est-ce qu'elle fout, là? Bon, faut qu'on puisse virer des armées, ça serait bien, par contre. Pourquoi j'ai une armée de zéro? Bon, 24 troupes. Là, on a que des bonus. Si avec ça, on défonce pas de l'adversaire, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Non mais tu... Ouais, pourquoi j'ai tourné là? Je veux pas tourner. Ouais, laisse-moi les cartes correctement, s'il te plaît. Ah, parce qu'en plus j'ai des gars qui viennent se battre sur mon territoire. Ah, parce que pourquoi pas? D'accord. Ok. Ça marche. On va prendre les petites armées, on va reprendre notre territoire là-bas. Et lui il veut pas, ok. Ah ouais, une efficacité 41%, 20%, 16%. Ouais, non, ça va piquer. Elle va piquer cette armée, elle va vraiment faire mal. Elle va vraiment, vraiment faire mal. Non! Les irréductibles gaulois, c'est les arvernes. Donc, non. Alors, qui est en faible? Les Namnets. Négocier la paix. Ah, pas encore. Allez, on va y arriver. Ah! Ouf! Ouh là là! Oh là là, zéro! Oh, zéro en puissance civique! Oh non! Ah, ça, ça pique par contre, hein! Parce que ça veut dire que tout ce qui est conversion, il peut s'asseoir dessus, hein! Il sait pas faire, hein! Oh, ouais, non, mais non, ça c'est. Ouais, non, ça il sait pas faire du tout. Hein. Par contre, cette armée là, c'est quoi? Attendez, il manque une armée là. Ok.
Ça. Et ça. Oui, donc ça, je m'en fous, en fait. Ok. Et là, j'ai perdu quelque chose ici. Outre le fait... Quand on va faire ça... Il me faut une route supplémentaire. Ça sera très bien. Il n'est pas suicidaire par hasard. Je sais pas. Bah, en fait, il a que 52 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Bon, il est stérile, donc voilà, ça arrange vite le truc. Lui, il a quel âge? 18 ans. Attendez, on va faire comme ça, toc. Ok. Ensuite, bon. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai des gens qui lèvent mes sièges en fait. Donc je comprends pas trop. J'ai rien demandé à personne, les gars, ils lèvent mes sièges quand même. C'est sympa. Non, ça a un petit goût de sympatitude, quoi. Bon. Toi, quand est-ce que je peux te virer? Pas avant le 13 avril, ok. Toi, quand est-ce que je peux te virer? Pas encore. T'as encore trop d'armées, je pense. Ok. Mais de toute façon, toutes les armées qu'on va pouvoir virer, ça va être que du bonus, hein. Regardez, il lève mes sièges. J'ai rien demandé à personne, moi. La terre de Castrum Divio. Alors... Non, on partage les terres, puis voilà, c'est tout. Démerdez-vous. Mais foutez-moi la paix. Alors. Ah. Ça, par contre, ça va faire mal. Ouais, parce que j'ai mon moral qui s'effondre ici. On va accepter de reculer. Voilà, si on remporte ça, on défonce les Doroka. Et là, pour le coup, ouais, c'est les défoncer, hein. Parce que de l'archerie face à de l'infanterie lourde, l'archerie normalement elle se fait dégommer la gueule. Et puis c'est le cas d'ailleurs, elle se fait démonter la tronche. Et la cavalerie lourde peut venir flanquer tranquillement. Ah ouais, là ça fait mal, hein. Ok. Maintenant. Donc, toi, négocier. Non, toujours pas. Ouh, bon sang, qu'il est pénible à pas vouloir. Par contre, toi, des gars qui lèvent mes sièges alors que j'ai rien demandé à personne, je trouve ça énorme, moi. Puissance religieuse plus 100 pour 800 pièces d'or. Ouais, si tu veux, ouais.
Ça te dit une petite... On va lui prendre sa capitale à lui plutôt. Ok. Alors, niveau de recrutement. Ça, ouais. Parce qu'on en a besoin. L'effort, ça tient. Ça, c'est pas trop mal. On va pouvoir s'approcher de là. On avait dit quand ici qu'on pouvait négocier la paix. Voilà, tu prends ton territoire. Tu dégages. Tu veux pas. Bon. Bon, on va s'occuper de toi. Le peuple est avec toi. Ils vont bientôt faire la guerre à ta place. Rome se rapproche. Oui, oui, Rome est très proche. Carthage aussi d'ailleurs. Carthage qui prend une grosse partie de la péninsule ibérique. Donc il va falloir nettoyer ça. Mais bon, dans l'ensemble, ça se tient. Ok, il a aussi mis hyper ses troupes encore une fois. Parfait. Toi, est-ce que tu veux bien te rendre? Ah! Donne ton territoire. Non, tu veux pas. Pourquoi ça? Ah, bon, bah, on va attendre alors. Et toi, donner ton territoire. Non, tu veux pas non plus. Bon. Parce que alors là, je vais rien lâcher. Hein. Ils vont le cracher, le territoire. Hein, promis. Alors, toi, j'ai dit donner ton territoire. Ah bah voilà, tu veux. Avec un peu de thune. Et avec toute ta thune. Eh bah voilà, ça fait une armée en moins. C'est pas beau, ça. Voilà. Ok, donc déjà, des armées en moins. Toi, donner ton territoire. Non plus, tu veux pas. Bon. Bon, on va approcher toutes les armées qu'on a de disponibles. Hein. Ah non, 31 000 troupes. Non, on va peut-être pas aller chercher 31 000 troupes avec juste 7500 troupes. C'est pas une bonne idée. Par contre, on va rapprocher toutes nos troupes ici et on va faire un carnage là-dessus. Hein. Bonsoir à toi, Katox. Ah, pour l'instant, elle n'est pas encore prise, la Belgique, mais ça devrait arriver. Il boit plus de vin que de bière. Obligé de se sentir insultant comme ça, quand même. Il est pris, lui, ou pas? Oui, il est pris. Bon, je vais prendre la capitale. Ok. Alors, où en est-on, nous? Ah, pour l'instant, Osismi, Unel, ok. Dorokas. Bon, Dorokas, qu'est-ce qu'ils disent? Tu donnes ton territoire. Non! Tu donnes ton territoire. Non! Oh là là. Est-ce
Est-ce que vous le voulez bien donner votre territoire? Voilà, zéro homme. Toi, t'arrives le 4 novembre. Vous tenez jusqu'au 4 novembre, les gars. Que dalle, vous tenez que dalle. Bah oui, le lapin, quand même, il fait le taf, hein. Ok, ils ont plus de centre. Et maintenant, ils ont le plus résistant au centre. Ça, c'est gênant. Mais oui. Ok, ça, c'est pris. On accepte. On est en train de vider la capitale des autres, là. C'est de une aile, c'est impressionnant. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut virer cette troupe? Non. Vous êtes sérieux, là? Tu sais pas ce qui est bon, Katox, depuis le temps qu'on te le dit. Ok, on a réussi à prendre la capitale de Osimi. Donc normalement, déjà même Osimi, on peut leur demander tout leur territoire si on veut. What? Ah, on ne peut pas dépasser 100% de score de guerre. What the fuck? Ok, bon, hein? Bon. Ok. Ils arrivent à faire autant de morts que nous, mais c'est pas possible ça. Alors, toi. Donner ton pays. Et ta thune. Allez, au revoir. Et on baisse ça. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi ici? Non, bah non, là on va passer sur la simulation culturelle. On va arrêter les bêtises un petit peu. Assimilation culturelle, ça c'est bon. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qui reste comme guerre? Il y a les Cucerges et les Ménapes. Est-ce qu'on peut transporter des troupes? Parce que les Trirèmes, normalement, n'ont pas la possibilité de se déplacer, de déplacer des troupes. On ne peut pas construire des troupes de transport. Parce que là, je vois pas la possibilité de déplacer des troupes. Non, je peux pas. Les trirèmes sont pas faites pour transporter des troupes. Tu dois ouvrir ton palais d'autres plaisirs, oui. Ah, ça, le cidre, là, on va pouvoir en boire, hein. Ok, bon. Ça, non, pas encore, il veut pas. Bon, pour l'instant... Alors c'est vrai que lui, ça lui fait du bien, parce que pendant ce temps-là, il pille des territoires qui vont sur sa capitale. Donc il commence à avoir pas mal d'arvernes, hein. Il a pris 3 arvernes quand même, c'est un peu pénible. Ce qui flingue un peu notre nos territoires, mais bon. On va bien finir par attraper du monde là. Ah, regardez, hop. Il a tué 2 populations et mis envoyé 2 personnes en... là où il fallait pas. Bon.
On va gérer. De toute façon, dès qu'on aura détruit l'armée d'Ossimi, on va récupérer ce territoire-là. Et ça va lui faire du bien. Donc ça, tu donnes. Non, tu veux pas. T'as dit tu donnes. Un chef de guerre est décédé. On n'a pas meilleur en chef de guerre, non? Ah, si. Mais il est helvète, ça, c'est pas bon. Armoricain, on n'en veut pas. Olerki, on n'en veut pas. Druidique, Tolosa. 7. Et 7. Bon, un fourbe. Tant pis, hein, on va prendre un fourbe. S'il peut être bon à la guerre, on prendra. Alors... Par contre, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Je change ça tout de suite. Bon, alors, les ménapes. Est-ce qu'on peut virer les ménapes? Voilà, paix blanche avec les ménapes. Paix blanche... Voilà, voilà, laisse mes territoires tranquilles et arrête de piller ce que tu sais pas piller, toi. Et ça, c'est une aile. Ah, d'accord, c'est une aile qui pille nos propres... qui... Ah, d'accord. Ah, une aile, en fait, se balade sur nos terres parce qu'ils... Bon, en même temps, ils peuvent rien faire sur leurs terres, mais... Fallait le dire. Pourquoi il veut pas donner son territoire? Bah je sais pas. Non en fait je pense que c'est une histoire de... On n'a pas assez de score de guerre ou ce genre de choses. Mais maintenant ça vient d'être changé parce que justement... vu qu'on vient de virer du monde, de la guerre... Tu vois ils acceptent mieux. Mais ils acceptent pas qu'on prenne tout le territoire pour l'instant. Bon. C'est pas très grave. On a quand même pris une grosse portion du territoire. Et une aile de toute façon... Ah, ça dépasse 100%. Ah oui, d'accord, oui, ah oui, oui, oui. Bon, bah l'Unelli, non, on n'en veut pas. Ouais, enfin déjà là, on a... Voilà, quoi. Hein. C'est pas comme si on avait foutu le bordel dans le coin, quoi. Bien, par contre, il y a trop de forts. Ça, j'en veux pas. Tac, 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 tac. On a fait déjà du bon taf. Et lui, il va arrêter de piller sur mes terres, donc c'est parfait. Bien. On va pouvoir remettre les populations et il va falloir... refaire les armées. Ou en tout cas, faire les... Je pense que... Ah, on a pas de bateau de transport. Je sais pas s'il y a des bateaux de transport ou pas dans le jeu. J'avoue que je sais pas du tout. Normalement, je sais qu'on peut transporter des armées, mais je sais pas du tout dans quelle mesure. Tac, tac. Alors, je pense qu'on va faire une route comme ça. Pour aller au moins jusque à la cité de Goeleria. Ça serait pas mal. Et après, on va regarder ça. On aura fait déjà un bon taf. Hein. On a les pieds sur la manche, quoi. Si on veut aller se baigner à Burke, on peut. Burke plage, c'est toujours bien. Par contre... Ouais. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, beaucoup de provinces qui sont déloyales, c'est normal aussi. On a beaucoup de forts, presque trop d'ailleurs. Celui-là il va sauter, j'en aurais pas besoin. Celui-là, les deux forts sur une route, elle est pas mal. Ça bloque un petit peu le passage. Pourquoi pas. Putain, j'en aurais pas besoin de celui-là, je pense. Le reste aura fait un peu le travail, ok.
Ouais, mais ça doit être pas avec des trirèmes, parce que les trirèmes normalement sont pas pour du transport de troupes, c'est des navires de combat. Donc mais bon, on verra ça. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce soir. On aura quand même sacrément augmenté le territoire. Ça, c'est certain. Nettoyer un petit peu ben, voilà, tout le sud-est de la Gaule. Pris une bonne partie de la Gaule du centre et de la Gaule du sud, ben, du nord-ouest, pardon. Donc j'espère en tout cas que ce live vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo. Pour ceux qui regardent les rediffusions YouTube, n'hésitez pas aussi à aller voir mon Twitter pour suivre l'actualité de la chaîne, puisque je préviens pas toujours sur YouTube quand je fais des lives. Et si vous voulez pouvoir savoir quand est-ce que des lives sont lancés, généralement vers 19h, vous regardez un petit peu le Twitter et vous aurez les informations en temps et en heure. Sur ce, merci à vous encore une fois d'avoir participé au live et d'avoir regardé les rediffusions. On se retrouve pour un prochain épisode et un prochain live. D'ici là, portez-vous bien. Salut!